Sinon, en temps normal, on a des zones. Oui, c'est pour ça que je voulais le faire. Bon, j'ai pas eu le temps de faire mon buffet là. Je vous laisse vous mettre à l'aise. Pendant que je prépare ma petit buffet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qui avait mis au point des petits contes pour enfants pour en fait les tranquilliser quand ils étaient malades et qu'ils étaient à leur chevet. Mais alors les contes sont terribles. Ils martyrisent des animaux. Et si bien qu'à la femme, en fait, c'est un animal qui se venge, le chien qui lui mord le pied. Et c'est un garçon très vilain qui se met en colère, qui n'obéit pas à sa mère, qui jette les chaises. Bon, il finit par tomber malade à cause de sa morsure au pied. Il y a le médecin qui est là et qui lui administre une potion amère. En fait. Et le chien qui se venge en mangeant le repas qui lui était destiné. C'est des bonnes relations, quoi. Voilà. Ouais. De la petite fille qui reste toute seule à la maison, et la mère lui dit « Attention, je vais sortir, mais donc surtout, tu ne joues pas avec les allumettes. » Et à peine la mère sort de la maison, qu'elle prend les allumettes, craque, et aïe, 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 aïe. Chien on fine, elle se réjouit, là. Parce que là, c'est la boîte d'allumettes. Pas dans le compte, hein. Ça reprend feu, la fille finit en cendres, un petit tas de cendres à la fin, et reste à côté du tas de cendres ses deux petits souliers rouges et ses roues.
Pas mal. Voilà. Hein, et ils deviennent plus noirs que le petit garçon. Quoi. Voilà. Alors, aussi comme le général. Oui, c'est ça. Avec la soupière sur sa tombe.